donc à une, on va mettre un petit coup de patte. Donc ça va toujours un peu nerveux. Voilà, il est perché. Donc là, on attend juste qu'il se retourne. Dès qu'il est retourné, d'un geste franc, il suffit simplement de le donner à la jambe. J'ai pas fini de carrément. Ça tournait ? Oui. Allez, il arrive, il va regarder gentiment, posément. Ouais, donc je vois tout pour vous. Voilà, lui aussi. Voilà, lui.
Hop. Voilà. Pliez le bras un petit peu. Pliez l'autre bras. Non. Plie ton bras, on tend dans ce sens. Comme ça, en fait, on a un bras naturel. Là, on plie. Hop. Qu'est-ce que tu as vu? Ah, ça par contre, c'est pas cool. Voilà, ça par contre, on vient. Non, tu sais, plus doux. Si ça ne vous embête pas de le cacher, voilà, il y a une côte de terre par terre. Alors, ma chérie, tu bouges pas. Tu es prête? Tu veux bien? Vas-y. Alors, regarde, ma chérie, c'est juste que. Hop, tu bouges le bras, et l'oiseau se pose dessus. Voilà. Regarde. Hop, tu bouges le bras. Hop, il est parti là-bas, il se repose là-bas. C'est super. Tu veux refaire dans l'autre sens? Regarde, la dame, elle va. Regarde. Hop, on met le petit morceau de bouge ta jambe. Et maintenant là, impeccable. On peut les applaudir. Se débrouiller seul dans la nature, regardez, dans un instant on va tenter et bien récupérer peut-être une casquette, un chapeau, un canot, c'est à toi que je fais appel, bien du coup. Alors voici un verre, super, il y a une casquette là, un chapeau ici, allez, quatrième, il faut que je fasse des yeux, il y en a, on va faire des lunettes, on fait pas la tête, donnez-moi un chapeau là-bas, donnez-moi la casquette. Voilà, c'est bon, mais à chaque fois un petit morceau de nourriture, sous. Donc c'est pour vos chefs, vous allez voir que là, eh bien c'est... Qu'est-ce que... Parce que la loi se voit tout, regardez. Évidemment, à l'inverse, un oiseau assez hautain, un peu délicieux, là il fait pour la chasse. Moi-même, je chasse encore, mais avec les aigles rayons, le chevreuil, le renard, le lièvre, on ne peut pas chasser un lièvre ou quoi que ce soit avec un aigle des steppes, puisque... Il n'a pas cet instinct, c'est pour ça qu'on peut le faire travailler en public. Allez, bon, tu vas là-bas. On a vu que l'oiseau n'a pas besoin de le jeter, simplement il a envie de partir, on va la pousser un petit peu derrière pour qu'il puisse être aidé pour son envol. Alors ce qu'on va faire, on va tenter de prendre une peu modeste. Hop. Là, ça va bien. Ça, c'est plus bon. Allez, récupère le tout de suite. Reste debout, là, c'est au bord. Voilà. Donc, place-toi correctement. Voilà. Alors, c'est vrai, éventuellement. On s'inspirera avec une femelle. Parce que 7 kilos, on fait un autre bonne taille. Juste un pied à la tête. Et lui, les oiseaux, en fait, s'attribuent à un dresseur. Et donc, parfois, lorsque le dragon vient pas, on est un tout petit peu regardante, surtout le style, c'est bien connu. Allez, un petit geste avec la main droite, Thiago, pour te rappeler. En fait, c'est un oiseau piscivore. Ça veut dire quoi?